Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une grande joie pour moi, en ma qualité de bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, de présider la deuxième des conférences débat du 13e cycle des conférences droit, liberté et foi. La conférence de ce soir étant consacrée au corps hors du commerce, point d'interrogation. Je suis tout particulièrement sensible au fait que ce cycle droit, liberté, foi ait lieu pour les deux premières conférences au Collège des Bernardins. C'est un lieu impressionnant, chargé d'histoire et en même temps d'une grande modernité. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de colloque, c'est un lieu dans lequel nous parlons et nous écoutons. Et finalement, c'est cela qu'était ce lieu déjà au Moyen-Âge, un collège pour se confronter aux grandes questions de notre temps. En tant que bâtonnier, je salue ce partenariat tout à fait original entre l'archevêché de Paris et le barreau, partenariat aux fins de réfléchir sur l'action de la règle de droit par rapport aux grandes questions de nos sociétés qui se trouvent à l'intersection de la loi, de la morale, de la politique et de la foi. Et je tiens ce soir tout particulièrement à remercier le cardinal André 23, qui n'est pas avec nous, sinon par la pensée, et qui a repris la tradition de son prédécesseur, le cardinal Jean-Marie Lustiger. J'ai eu le bonheur, au début de cette année, d'avoir le cardinal 23 venir au palais de justice et y célébrer la messe de Saint-Yves, qui, vous le savez, est le saint patron des avocats. Je constate aussi que de plus en plus de personnes s'inscrivent à ces conférences. C'est grâce à vous que ce cycle de conférences perdure, se développe et se nourrit année après année des échanges que nous avons. Je crois que c'est formidable d'avoir un lieu de liberté et un lieu d'échange, de réflexion entre juristes et non-juristes. Alors le sujet de cette année, question majeure, le corps, la personne et le droit, les rapports entre les uns et les autres, nous conduisent à nous interroger sur quasiment des questions ontologiques. La première conférence sur l'homme, le corps et l'âme constituait une réflexion philosophique sur les rapports de l'âme et du corps. La conférence de ce soir nous met véritablement en présence des grands débats actuels sur la commercialisation du corps. Quelle curiosité quand même que d'imaginer que le corps qui par définition serait hors commerce se trouve aujourd'hui au milieu d'échanges commerciaux, c'est-à-dire qu'il devient un sujet de droit et pire, un objet de droit, c'est-à-dire qu'il peut être l'objet de transactions. On le voit avec des sujets extrêmement importants comme les mères porteuses, on le voit avec les banques d'organes. Est-ce qu'on peut vendre son rein ou un œil? Est-ce qu'on peut le vendre de son vivant? Est-ce qu'on peut le vendre une fois qu'on est mort? Est-ce qu'on peut le donner? Est-ce qu'on peut le léguer? Est-ce qu'on peut au contraire interdire d'en faire quelque usage que ce soit? On a là des interrogations majeures, conflits des hommes entre eux, entre les vivants et ceux qui vont décéder, en se disant que finalement, dans le corps qui va disparaître, il y a peut-être des pièces détachées qui pourraient être utiles à ceux qui survivent. On est là dans des questions que la science nous permet de nous poser. Il y a pas si longtemps que ça, ces questions étaient inenvisageables, car la science ne permettait pas la transplantation d'organes, ne permettait pas la location de ventre avec des procréations médicalement assistées, et on était dans une situation où finalement on subissait le sort de l'individu. Eh bien, l'homme, par son génie, sort de cette situation où il subit, et à partir du moment où il ne subit plus, il doit s'interroger sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire, ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Alors, vous le savez que l'intérêt de la conférence de ce soir, tout particulièrement, tient aux participants que nous avons, qui sont des experts en la matière. D'abord, madame le sénateur Marie-Thérèse Hermange, qui est sénateur de Paris depuis 2004, qui a été 12 ans adjointe au maire de Paris, de 1989 à 2001, et qui a été en charge notamment des affaires sociales, de la famille, de la petite enfance et de l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris.
Elle a été également députée européenne de 1994 à 2004, membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, membre du Comité consultatif national d'éthique. Elle a été nommée au sein du comité de pilotage des États généraux de la bioéthique qui se sont tenus au printemps 2009. J'ajoute qu'en 2007, elle avait pris l'initiative d'organiser un colloque international sur la thérapie cellulaire et en 2008, elle a rendu un rapport au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat sur le sang de cordon collecté pour chercher, soigner et guérir. Madame le sénateur, nous vous écouterons avec le plus grand intérêt ce soir. Et à ma gauche, M. Roberto Andorno, qui est né en Argentine, qui est docteur en droit, qui est spécialisé dans les questions de bioéthique. Il est connu pour une thèse soutenue en 1994 à Paris 12. Je suis toujours impressionné par les gens nés dans d'autres pays et qui parlent d'autres langues, qui deviennent docteurs de l'université française, ce qui implique qu'ils maîtrisent à la perfection non seulement leur langue, mais la nôtre. Et de cela, je veux déjà vous féliciter. Et cette thèse portait sur la distinction entre les personnes et les choses à l'épreuve des procréations assistées, la distinction des personnes et des choses quand on parle de corps humain. Nous vous écouterons, là encore, avec le plus grand intérêt. Mais vous avez fait beaucoup d'autres choses. Vous avez été dans plusieurs universités, à Buenos Aires de 1994 à 1998, à l'Université Laval de Québec en 1999. C'est une énorme université, l'Université Laval, lorsqu'on va à Québec. Chercheur en Allemagne à Göttingen et à Tübingen en 2001, 2003, puis 2004, 2005, ce qui veut dire que vous maîtrisez aussi l'allemand. Et là, je ne suis plus dans la sympathie, je suis dans l'admiration pure et simple. Vous avez participé au Comité international de bioéthique de l'UNESCO. Vous avez participé aux travaux de rédaction de la Déclaration internationale sur les données génétiques humaines de 2003. Et vous avez participé également aux travaux de rédaction de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de 2005. Depuis 2006, vous êtes chercheur auprès de l'Institut d'éthique biomédicale de l'Université de Zurich. Vous avez participé à de nombreux ouvrages collectifs sur la bioéthique et écrit plusieurs articles qui intéressent directement la conférence de ce soir. La notion de dignité humaine est-elle superflue en bioéthique ? Le diagnostic pré-implantatoire dans les législations des pays européens, sommes-nous sur une pente glissante ? Mais, et j'en aurai terminé de cette présentation de nos invités de ce soir, celui qui va vous expliquer la situation, c'est Thierry Massis. Thierry Massis, avocat au barreau de Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, et qui est l'une des vertèbres de la colonne vertébrale de ces conférences qui nous réussissent ce soir. Thierry Massis va faire le point de la situation juridique. Et puis ensuite, après avoir entendu nos deux orateurs, la salle aura la parole pour poser des questions auxquelles nous nous efforcerons, sinon de répondre, tout du moins d'essayer de proposer des solutions si vos interrogations nous interpellent tous, ce dont je ne doute pas. Merci. Et donc, je donne la parole d'abord à monsieur Massis. Monsieur le bâtonnier. Monsieur le bâtonnier, messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les hauts magistrats, mes chers confrères, mes chers amis, monsieur le bâtonnier, pendant 12 minutes, je vais essayer de donner les éléments de réflexion de notre sujet qui a pour titre « Le corps hors du commerce ». Vous vous souvenez la première conférence qui consacrait, qui a mis en valeur l'unité de la personne et de l'esprit. Et le doyen Carbonnier, que j'avais cité lors de l'introduction, nous donne le fil rouge de tout ce cycle. Le corps humain est le substratum de la personne, le corps fait la personne. La loi consacre cette vision personnaliste du corps humain. Le législateur a en effet intégré dans le Code civil, à une place symbolique au sein du livre premier, titre premier, un chapitre 2 intitulé « Du respect du corps humain ». Et commençant par un article fondateur, par un article que l'on pourrait mettre sur un frontispice, la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. L'article 16, petit tiret 1, alinéa 3, consacre le principe de l'indisponibilité,
Ce principe signifie que le corps humain est indisponible et hors du commerce, ne peut pas faire l'objet de conventions. La loi est souveraine et elle a montré toute son efficacité, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la maternité pour autrui ou ce que l'on dit aujourd'hui la gestation pour autrui. Cependant, quelle que soit sa force impérative, la vision personnaliste de la loi subit des assauts, un certain nombre d'assauts. Le premier assaut, c'est le pouvoir de la technique. Le deuxième assaut, c'est la commercialisation du corps. Et enfin, le troisième assaut, l'environnement international. Et je voudrais évoquer avec vous assez vite ces trois éléments qui remettent en cause et qui suscitent, qui remettent en cause la vision personnaliste de la loi. Tout d'abord, la puissance de la technique. Par l'effet de la biotechnologie, un nouveau corps se profile, un corps objectivé, docile à notre volonté et à nos techniques, un corps soustrait à la fragilité et à l'opacité de la chair. Les biotechnologies nous font franchir l'ultime frontière, le vivant devient un matériau intégralement malléable et combinable par la technique, le corps vivant, désirant, sexué, vieillissant et mortel, s'éloigne au profit d'un corps fonctionnel et efficace qui doit répondre à ce qu'on lui demande. C'est ce que David Le Breton, le grand sociologue, appelle l'adieu au corps. La vision poétique de l'être et de la nature a cédé devant une vision technique prométhéenne, animée par un désir de puissance, une volonté de rendre le monde intégralement connaissable et maîtrisable. Ainsi, dans le cadre de la procréation, la technique contribue à neutraliser le corps charnel au profit d'un corps disponible, manipulable en laboratoire. Le corps biologique devient alors le corps en tant que tel et devient une ressource et un instrument. Et comment ici ne pas citer Sylviane Agacinski qui, dans Le corps en miettes, met en valeur extrêmement bien ces choses en énonçant ceci. Peu à peu, depuis qu'existe l'insémination artificielle, l'extraction des ovocytes, la fécondation in vitro et la transplantation d'embryons, l'événement de la rencontre et de la fécondité se trouve transposé pour l'imaginaire au niveau d'un fait biologique, c'est-à-dire de processus artificiellement produits. Et nous entrons dans ce que Heidegger a appelé l'ère de la technique, c'est-à-dire l'ère totale de l'efficacité, de l'utilité, de l'emprise de la technique sur tout ce qui est, plus rien ne reste à l'abri de la puissance calculatrice et productive. Et la grande question qui est aujourd'hui posée, c'est le pouvoir de l'homme sur son propre corps. Le droit consacre, maintenant, le droit consacre la révolution biologique a entraîné la revendication de nouveaux droits, de nouvelles liberté par rapport au corps. Permets-moi de citer le droit de disposer de son corps, le droit de changer d'identité sexuelle, le droit de maîtriser sa descendance par les techniques de procréation médicalement assistée, de maîtriser la qualité de sa progéniture par le diagnostic prénatal, de maîtriser sa vie et sa mort. Et la Cour européenne rendra un certain nombre de décisions qui consacrera le droit subjectif, ce droit où le corps est disponible, ce droit de disposer de son corps d'un certain nombre de décisions, rattachant le droit de disposer de son corps par rapport à la vie privée. Et c'est les fameux, c'est le triomphe des droits à, du droit au logement, mais aussi du droit à l'enfant, du droit à changer de sexe. On est entré dans la phase d'un droit purement subjectif qui reconnaît une relation corps infinie. Deuxième élément qui va perturber cette vision personnaliste, la commercialisation du corps. La commercialisation du corps, une affaire assez étonnante, avait dominé les États-Unis il y a quelques années. Elle intéresse, c'est la fameuse affaire aux cellules d'or. Cette affaire intéresse un certain monsieur Moore, soigné pour une leucémie et dont les médecins découvrirent qu'il portait une formule sanguine rare et que ses cellules et sa rate pouvaient donner lieu à fabrication de produits pharmaceutiques intéressants destinés à soigner certains cancers.
Des brevets furent déposés sur ces produits et finalement, les médecins cédèrent à une multinationale l'exploitation et la commercialisation des produits fabriqués à partir des cellules de M. Moore. M. Moore a alors revendiqué la propriété de ces cellules en tant que telles, a même demandé le bénéfice au laboratoire de ces cellules qui avaient été travaillées en vue de médicaments. Et la Cour de Californie donnera raison à M. Roux et constatera la propriété de ces cellules. C'est montré, cette affaire qui est d'ailleurs assez connue, montre bien le rapport que l'homme peut entretenir par rapport à son corps et comment des médecins même se saisissent du corps des cellules pour en faire un objet profitable. En France, le principe de gratuité du corps humain est affirmé, avec force d'ailleurs, avec la loi sur la bioéthique, l'article 16.6. On sait qu'aujourd'hui, la proposition de loi qui est déposée pour la gestation pour autrui prévoit une indemnisation de la mère qui porte l'enfant, et on peut se poser la question à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un financement du fait de porter l'enfant? Est-ce qu'il n'y a pas un prix? Est-ce qu'il n'y a pas une relation commerciale qui se crée? Je crois que là aussi, c'est l'utilisation du ventre féminin au service d'autrui n'échappe pas à la marchandisation. C'est tout le marché qui est ouvert aux États-Unis, c'est le fameux baby business, et qui aujourd'hui risque aujourd'hui en France peut-être de venir si la proposition de loi du Sénat était, si la proposition de loi était votée par l'Assemblée. Autre aspect de l'indisponibilité du porc humain qui est importante, c'est le respect dû aux morts. Et très vite, je vais sur cette jurisprudence, nous nous souvenons tous de cette exposition assez morbide qui consistait à exposer des cadavres qui avaient été travaillés de telle manière qu'ils étaient un objet d'exposition. Il y a eu une action en référé et la Cour de cassation vient de rendre sa décision dans une décision de septembre 2010 et qui vient nous dire que le corps et le respect dû aux morts ne peut pas faire l'objet de commerce. Le dernier point que je veux très vite veux évoquer avec vous, c'est la question de l'environnement international. Dans notre réflexion sur le principe d'indisponibilité du corps humain, nous devons prendre en considération l'environnement international. Par exemple, en ce qui concerne la gestation pour autrui, elle est prohibée par le Code civil en France, mais elle est tolérée en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas, et expressément réglementée en Grande-Bretagne et en Grèce. En outre, la liberté de circulation jointe au développement d'un baby business permet à des couples français d'obtenir dans certains États des États-Unis, mais aussi dans des pays comme l'Ukraine ou l'Inde, où des cliniques spécialisées fonctionnent au profit d'étrangers, une fécondation in vitro suivie d'une gestation pour autrui. Lorsque ces couples reviennent en France, avec des enfants ainsi conçus, de délicats problèmes se posent par rapport à l'établissement de l'affiliation. La jurisprudence à l'heure actuelle est assez fixée, puisque la Cour de cassation, dans un arrêt très important de 2008, a affirmé qu'il y avait une contradiction. De la gestation pour autrui contredisait l'ordre public international, la conception française de l'ordre public international, et a considéré que la transcription sur le registre d'état civil français de la naissance, d'acte de naissance provenant de la mère d'intention était nulle. En d'autres termes, les jurisprudences françaises considèrent que la transcription sur les registres du service central d'état civil français des actes de naissance américains qui désignent la mère d'intention comme mère est nulle. Mais ce débat n'est pas non plus épuisé, car il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui vient dire que l'intérêt de l'enfant, que priver l'enfant issu d'une maternité pour autrui de son droit d'établir son lien de filiation porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Les dernières décisions qui sont rendues en France, notamment par la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 mars 2010, répond sur ce terrain-là en disant quelle que soit
la valeur supérieure de l'intérêt de l'enfant, cela ne peut pas venir contredire les règles qui interdisent la gestation pour autrui. Le dernier débat qui se pose à l'heure actuelle, c'est la question de la possession d'État, puisque un certain nombre de parents qui bénéficient d'enfants au terme de la gestation pour autrui revendiquent la possession d'État de l'enfant pour établir la filiation. La Cour d'appel de Douai a tranché cette question en considérant qu'il ne pouvait pas invoquer la possession d'État parce qu'elle était viciée au départ sur un contrat contraire à l'ordre public. Mais le débat est totalement ouvert aujourd'hui et la Cour de cassation doit se prononcer en 2011. C'est montrer l'importance des débats qui se posent aujourd'hui. Voilà les éléments que je voulais vous évoquer avec vous. En conclusion, je voudrais dire que les quelques réflexions montrent les risques de la commercialisation du corps. Certes, nous sommes tous débiteurs de l'avancée de la science et de la technique. Il y a lieu de saluer les avancées de la science en ce qui concerne la lutte contre les maladies, la lutte contre la stérilité. Mais nous devons maintenir cette unité de l'âme et du corps, ce principe de gratuité qui est le fondement de notre civilisation. Le corps ne doit pas être saisi par l'économie. Merci, merci cher Thierry Massis. Vous savez qu'il y avait un très célèbre chef d'orchestre à la Philharmonie de Vienne qui était Bruno Walter. Et quand il dirigeait une symphonie de Mozart et qu'il était enregistré par Deutsche Grammophon, il lui arrivait au milieu d'un mouvement de s'arrêter, de dire « comme c'est beau ». Et l'orchestre s'arrêtait et le producteur de phonogramme devenait fou parce qu'il fallait à ce moment-là recommencer l'enregistrement depuis le début. Eh bien, le bâtonnier, c'est un peu un chef d'orchestre et quand il entend certains avocats, il aimerait bien en entendre un peu plus. Et je dois dire, cher Thierry Massis, que c'était extrêmement intéressant pour annoncer les deux conférenciers de ce soir. Alors nous allons avoir des questions, vous l'avez compris, sur la gestation pour autrui, sur les dons d'organes, mais ça implique le problème des transferts post-mortem, avec cette législation très curieuse de la Chine qui dit qu'une personne condamnée à mort peut se voir prélever un organe alors qu'elle n'est pas encore exécutée, comme si la condamnation à mort, acte juridique, en faisait de son corps une chose sans maître. Donc on va être dans des véritables questions qui vont nous interpeller, aussi sur les recherches sur l'embryon, sur les recherches sur les cellules souches, sur le don d'organes, bien sûr. C'est le sujet de M. Roberto Andorno, le fondement éthique du principe d'indisponibilité du corps humain. M. Andorno pouvait faire cette conférence en espagnol ou en allemand. Il a choisi de la faire en langue française et je le remercie. Merci. Je voudrais commencer mon exposé en citant un passage d'un ouvrage récent d'un juriste et philosophe parisien qui s'occupe des questions de bioéthique depuis longtemps. Il s'appelle Bernard Edelman, vous le connaissez peut-être. Et l'année dernière, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Ni chose, ni personne, le corps humain en question ». Il dit « Jusqu'il y a peu, nous vivions paisiblement dans notre corps. Il était nous étions lui. Objet sacré, inviolable, nous le respections comme on se respectait. Mais ces dernières décennies, tout a changé, insidieusement, imperceptiblement. Ce vieux compagnon de tous les jours est devenu un autre, un quasi-étranger. Cette enveloppe charnelle que nous traitions familièrement sans même y penser se transforme en gisement de valeur, en composé des cellules et des tissus qu'on peut vendre, louer, breveter. Que sommes-nous donc devenus? Que sommes-nous en train de devenir? Alors, même si je trouve ce passage peut-être un ton trop pessimiste, je trouve qu'il sert à notre réflexion sur l'indisponibilité du corps humain, car il va droit au fond des questions sous-jacentes à ce principe. Qu'est-ce que cela signifie d'être une personne et non pas une chose? Quelle est la valeur de notre corps? Ce qui revient à dire, quelle est la valeur d'une personne?
qu'est-ce que ce mélange mystérieux de matière et d'esprit, de corps et d'âme que nous sommes, qu'est chacun de nous. Le philosophe Max Scheler disait que, après tant de siècles de réflexion philosophique sur l'homme, nous ne comprenons pas encore très bien ce que nous sommes. En dépit de cette difficulté, je crois que nous avons tous une certaine intuition qu'il y a en chacun de nous quelque chose qui nous transcende complètement, quelque chose d'absolu, d'inexprimable, d'ineffable, et qui renvoie ailleurs. L'homme passe infiniment l'homme, dit Pascal. Nous sommes certes dans un corps, ou mieux, nous sommes notre corps, mais en même temps, nous ressentons que nous sommes beaucoup plus que notre corps, beaucoup plus qu'un amas de cellules, beaucoup plus qu'une somme d'éléments chimiques combinés au hasard, et beaucoup plus qu'une structure particulièrement complexe d'ADN. Notre moi ne se réduit pas aux réactions chimiques qui ont lieu au niveau de nos neurones. En fait, le plus profond de nous, je crois, de ce que nous sommes, échappe complètement aux prises de nos sens et par conséquent aussi aux prises des sciences. Donc l'essentiel est invisible pour les yeux, on dirait le Petit Prince. L'essentiel de ce que nous sommes est invisible pour les yeux. Autrement dit, nous sommes convaincus, il me semble, et ça même savoir expliquer très bien pourquoi et comment, que chaque être humain est unique, ineffable, irremplaçable, ou pour le dire avec le mot de Kant, que chacun de nous a une dignité et non pas un prix, car il n'y a que les choses qui ont un prix et peuvent être remplacées par d'autres à titre d'équivalent, notamment par une somme d'argent. En revanche, les personnes, ou chaque personne, n'ont pas d'équivalent et n'ont pas de prix. Et c'est pourquoi nous résistons de manière instinctive à tout brouillage des limites entre les personnes et les choses. Et nous regardons cette distinction, cette summa divisio de l'éthique et du droit comme étant essentielle à toute société civilisée. Et c'est pourquoi aussi nous éprouvons de l'horreur à l'idée que nous serions tous en train de devenir plus ou moins de choses à la suite de certains développements biotechnologiques, et cela sans même nous en rendre compte. Pour la même raison, nous nous rebellons contre la réification, la chosification croissante du corps humain qui semble résulter d'une combinaison entre une logique marchande et certaines pratiques médicales, que ce soit la vente d'organes dans certains pays, la maternité pour autrui ou gestation pour autrui, le don d'embryons humains à des fins de recherche, pour ne donner que quelques exemples. Dans cet exposé, je vais essayer d'abord de préciser le principe d'indisponibilité du corps et le rôle que le droit joue dans ce domaine comme garant de l'unité de la personne. Ensuite, je vais rappeler que ce principe, qu'il ne faut pas confondre avec celui de la non-patrimonialité du corps, n'est pas absolu, mais qu'il admet certaines exceptions. Et finalement, je vais me concentrer sur les fondements éthiques du principe d'indisponibilité du corps, qui n'est autre que l'exigence de respect de la dignité humaine. Alors, qu'est-ce que le verbe « disposer » veut dire ? En droit, du moins, on utilise ce verbe pour faire référence à l'acte par lequel on transmet la propriété d'une chose. Disposition est synonyme d'aliénation. Comme beaucoup d'entre vous le savent très bien, l'acte de disposition, qui est l'opposé de l'acte d'administration, est celui dont l'objet est de faire sortir du patrimoine un certain bien, une chose, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. Alors, est-ce que ce pouvoir de disposition s'étend, s'applique aussi au corps humain? Autrement dit, avons-nous la propriété de notre corps? Ou au contraire, sommes-nous notre corps? La question est bien sûr très ancienne. Sur le plan philosophique, il y a des théories et des positions pour tous les goûts.
Sur le plan juridique, c'est un peu différent. Les juristes sont toujours opposés à l'idée d'un droit de propriété sur le corps, qui est regardé comme étant artificiel et même absurde, car l'être humain ne peut pas se diviser à l'intérieur de soi-même entre un sujet du droit et un objet, sans que son unité la plus profonde soit brisée. En effet, les juristes ont toujours considéré, par exemple, que l'atteinte au corps est une atteinte à la personne elle-même, et non pas à quelque chose d'extérieur à elle. C'est pourquoi le corps humain est hors commerce, il est inaliénable, parce qu'il constitue le substrat de la personne, sa condition sine qua non d'existence dans le monde dans lequel nous vivons. En plus, sur un plan pratique, il semble bien qu'un tel droit de propriété sur le corps conduirait très facilement à une autodégradation de l'homme, ce qui serait certainement contraire au bien commun. Même, je pense que la possibilité du suicide n'est pas un argument en faveur du droit de propriété sur le corps, car en réalité, il n'y a pas de véritable droit au suicide. De facto, bien sûr, nous pouvons tous commettre du suicide, mais cela ne veut pas dire qu'il y ait un droit au suicide. S'il avait un tel droit, l'État devrait faciliter tous les moyens à tout individu désirant se suicider, n'importe quel soit son âge ou son état de santé, ce qui n'est pas le cas même dans le pays qui autorise l'euthanasie, les deux seuls pays au monde, les Pays-Bas et la Belgique. S'il avait un droit au suicide, la loi devrait punir celui qui sauve la vie de quelqu'un qui voulait se tuer, par exemple en se jetant dans un fleuve. S'il y avait un droit au suicide, la police ou les pompiers ne devraient pas intervenir lorsque quelqu'un menace de sauter de la terrasse de son immeuble, car cette personne-là ne serait qu'en train d'exercer un droit légitime. C'est-à-dire le fait que le suicide soit possible ne sert pas d'appuyer à l'idée qu'il y a un droit de propriété sur le corps, à mon avis. Et d'ailleurs, il convient aussi de signaler que le refus d'un droit de propriété sur le corps n'est pas nouveau. J'ai le juriste, il est très ancien. Je dirais même qu'il est constitutif du système juridique. Même les Romains qui admettaient l'esclavage, c'est-à-dire la propriété sur autrui, rejetaient l'idée qu'on puisse avoir une propriété sur soi-même. Et ainsi, par exemple, ils n'autorisaient pas le recours à la législation concernant les dommages aux choses pour obtenir l'indemnisation d'une atteinte corporelle. Et l'explication, selon le terme d'Ulpien, est que Dominus membrorum suorum nemo videtur. Personne n'est propriétaire de ses membres. En d'autres termes, l'homme peut disposer de ce qu'il a, mais non pas de ce qu'il est. Or, le corps fait certainement partie de ce qu'il est. Si l'homme n'était pas son corps, où se trouverait-il? Qui serait le sujet si le corps n'était qu'un objet? Ainsi, en rejetant l'idée d'une propriété sur le corps, en recusant tout dualisme du type sujet-objet à l'intérieur de nous-mêmes, on peut dire que le droit est en quelque sorte le garant de l'unité de la personne dans la société. C'est pourquoi il regarde avec méfiance cette vieille dichotomie du corps et de l'esprit, qui est certes valable sur le plan philosophique, sur le plan conceptuel, mais qui, sur le plan pratique, qui est celui du droit, lorsqu'elle est poussée à l'extrême, risque de légitimer l'instrumentalisation du corps en opposant, d'une part, le corps objet manipulable à volonté, et d'autre part, la personne seule, respectable, mais qui ne serait que complètement immatérielle. C'est là la question qui se pose, c'est de savoir comment résoudre la contradiction apparente entre le principe d'indisponibilité du corps et certaines pratiques médicales, comme par exemple le don d'organes, qui implique évidemment une aliénation d'une partie du corps et qui pourtant sont reconnues comme légitimes. Alors, il me semble qu'une distinction essentielle s'impose entre le corps vivant entier et ses éléments détachés d'une autre. Le corps vivant
entier est toujours indisponible, dans le sens où il ne peut être vendu ou donné, car ce serait se donner en esclavage. Dans ce cas, l'indisponibilité est absolue. Le corps ne pourrait jamais se voir soumis à un transfert de propriété pour la simple raison qu'il n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. En France, c'est justement à ce titre que la maternité pour autrui est interdite. Et peu importe à cet égard que la pratique ait lieu à titre onéreux ou gratuit. En revanche, certains éléments détachés du corps peuvent être exceptionnellement faire l'objet d'actes de disposition lorsque la loi, sous certaines conditions, les autorise. Ces conditions sont au moins trois. D'abord, la finalité thérapeutique pour un tiers, ou plus exceptionnellement encore, pour le bien de la société en général, comme c'est le cas de la recherche biomédicale. Deuxièmement, la gratuité de l'acte de disposition, c'est-à-dire que ce soit un don et non pas une vente. Et troisièmement, l'absence de risque grave pour la vie ou la santé du donneur. Seulement lorsque ces trois conditions sont remplies, la loi estime que la dignité du donneur n'est pas atteinte. Il faut aussi une quatrième condition qui est évidente, et le consentement du donneur. C'est ainsi que, par exemple, on peut donner du sang, on peut donner de la moelle osseuse, on peut donner un rein à des fins de transplantation, etc. Mais il ne faut pas oublier que l'indisponibilité reste toujours la règle et la disponibilité l'exception, et elle doit le rester, à mon avis. Je me permets aussi de rappeler que le principe d'indisponibilité du corps, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'a pas été explicitement introduit dans le Code civil à la suite des lois sur la bioéthique de 1994. Le Code civil énonce d'abord le principe de l'inviolabilité du corps dans l'article 16.1 qui protège la personne contre les atteintes commises par autrui. En revanche, vous trouverez en vain le principe d'indisponibilité du corps qui protège la personne en quelque sorte contre elle-même. Ce que le même article 16.1 dit, c'est que le corps humain, ses éléments, ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Mais ceci n'est pas le principe d'indisponibilité du corps, mais le principe de non-patrimonialité du corps, qui n'est qu'une espèce, une partie, disons, de celui-là, au sens qu'il ne concerne que les actes à titre onéreux. Ce n'est que la Cour de cassation qui a affirmé le principe d'indisponibilité du corps comme principe général, c'est-à-dire non restreint aux actes à titre onéreux, dans son célèbre arrêt sur les mères porteuses de 1991. Cet arrêt me semble tout à fait raisonnable, car la pratique des mères porteuses implique, à mon avis, une double transgression du principe d'indisponibilité du corps. D'abord parce que cette pratique suppose que la femme dispose de son corps au-delà de ce que permet le principe de respect de la dignité humaine, étant donné qu'elle, son corps, ses capacités reproductives sont réduites à un rôle purement instrumental dans l'intérêt d'un tiers. Mais, en second lieu, parce que la mère porteuse ne se limite pas à disposer d'elle-même, mais dispose aussi de la personne d'un tiers, l'enfant, ce qui rend la pratique encore plus grave. C'est-à-dire, même si on pouvait hésiter sur l'illicéité de l'acte de disposition du propre corps réalisé par la femme, la disposition du corps, ou mieux de la personne, d'autrui, de l'enfant, ne laisserait pas de doute sur l'illicéité de l'acte. Et peu importe à cet égard que la femme reçoive une somme d'argent ou pas. Je passe maintenant à la question du fondement du principe d'indisponibilité du corps, qui n'est autre que le respect de la dignité de la personne. En effet, c'est l'idée de dignité humaine qui fait obstacle à ce que quelqu'un puisse être traité comme un simple moyen pour les fins d'autrui, de réduire son corps et les parties et les produits de son corps au statut de marchandise qu'on vend ou on achète à volonté.
car la notion de dignité implique que chacun a une valeur inhérente ou intrinsèque et par conséquent qu'il n'a pas de prix. Dire que la dignité est inhérente à chaque personne a une double conséquence. Tout d'abord, il implique que personne ne peut être privé de sa dignité par autrui. Et cet autrui inclut non seulement d'autres individus, mais bien sûr l'État. Même les pires des criminels possèdent, en tant qu'être humain, une valeur intrinsèque. C'est pourquoi il y a des pratiques telles que la torture, des traitements inhumains et des crimes qui sont absolument interdites. Comme le dit le philosophe anglais, la notion de dignité humaine implique qu'il y a des choses qu'on ne doit faire à personne nulle part. Donc il y a un caractère absolu dans l'idée de dignité humaine qui s'exprime plus facilement par la voie négative de ce qu'on ne doit jamais faire à un être humain. Mais on peut le dire aussi de manière positive avec Paul Ricoeur qu'il y a des choses qui sont dues à tout être humain du seul fait qu'il est humain. Mais affirmer que la dignité est inhérente signifie aussi que la personne elle-même ne peut pas y renoncer. Justement, parce que chacun de nous a une valeur inhérente ou intrinsèque, nous ne pouvons pas nous détacher de notre dignité comme nous nous enlevons un manteau. Et ceci est un point essentiel dans cette discussion. Ce qui est un jeu ici n'est pas une question d'intérêt purement individuel, d'autonomie individuelle. Il y va du caractère humain, c'est-à-dire civilisé, d'une société. En effet, la société tout entière a intérêt à ce que les personnes ne soient pas soumises à des pratiques inhumaines ou dégradantes, même si cela s'est fait ou semble se faire avec le consentement libre des individus. Autrement dit, la notion de dignité humaine n'est pas juste un synonyme d'autonomie individuelle, comme on a parfois tendance à penser, surtout dans la bioéthique anglo-saxonne. Certes, le respect de l'autodétermination des personnes fait partie de ce que réclame le respect de leur dignité, mais ces deux notions ne sont pas synonymes. L'autonomie n'est qu'un aspect de la dignité des personnes, mais non pas la seule, ni peut-être la plus importante. Donc, elle est subordonnée au respect de la dignité humaine qui lui sert de cadre et qui lui donne sa raison d'être. D'ailleurs, en droit, il est bien connu que certaines pratiques ne sont pas licites, même avec le consentement de la personne concernée. L'esclavage, le travail dans des conditions inhumaines, ou 7 jours sur 7, ou 100 ans pour le repos. En droit civil, il y a les contrats dits léonins, qui sont nuls. En droit de la famille, il y a d'innombrables règles régissant le mariage et l'autorité parentale, et qui font partie des normes dites d'ordre public, qui, loin d'être exceptionnelles, sont très courantes en droit. Donc le principe d'indisponibilité du corps n'est qu'un exemple, entre autres, de ce type de normes. À ce propos, vous vous souviendrez sûrement du célèbre arrêt commune de Morsang-sur-Orge, du Conseil d'État, qui avait décidé que l'attraction consistant à faire lancer un nain par des spectateurs était contraire à la dignité humaine et par conséquent pouvait être légitimement interdite par les autorités locales, et cela indépendamment du fait que la pratique ait lieu avec le consentement de ces individus. Dans le domaine médical, il y a aussi de nombreux exemples de désirs des patients qui ne suffisent pas à légitimer certaines pratiques lorsqu'on estime que ces dernières sont contraires à la dignité humaine, des expérimentations scientifiques qui entraînent des risques disproportionnés pour la vie des individus, le désir de se voir amputer d'un membre sans aucun motif thérapeutique qui l'exige. Et c'est un problème qui existe, en fait, même si ça peut paraître bizarre, mais ce qu'on appelle en anglais « body integrity identity disorder », il y a des gens qui ont ce désir de se voir amputer un membre et qui réclament cela des médecins. Mais évidemment, le système juridique, la déontologie médicale ne peut pas et céder à cette demande.
le désir de se laisser prélever un rein pour satisfaire aux propres besoins ou à ceux de la famille, etc. Il y a tout un nombre de pratiques qui ne sont pas autorisées au nom de la... Et même s'il y a le consentement de l'individu. J'arrive à ma conclusion. En dépit de toutes les controverses philosophiques sur le rapport de la personne à son corps, le juriste, peut-être en raison de sa plus grande proximité du réel, semble être bien conscient du fait que le corps vivant n'est autre chose que la personne elle-même, que le corps participe à la dignité de la personne et que par conséquent le respect du corps est une condition sine qua non du respect de la personne et de sa dignité. C'est pourquoi le corps est hors commerce, il est inaliénable, du moins comme règle de principe. Ce n'est qu'à titre très exceptionnel, comme je l'ai signalé, car certains actes de disposition des parties ou produits du corps sont autorisés par la loi. Le droit a, à mon avis, un rôle décisif à jouer dans ce domaine comme garant de l'unité de la personne dans la société. Qu'il le veuille ou non, la tâche de conjurer le nouveau danger de chosification de la personne tombe sur lui, sur le droit. C'est à lui que revient le soin et l'honneur d'éviter que l'être humain soit réduit aux pures relations d'utilité, de rentabilité, de profit. Le droit est certes devant une tâche difficile, ou même très difficile, on dirait presque impossible, qui a l'air d'une lutte de David contre Goliath, mais qui est en même temps passionnante et dont il doit être fier. Je vous remercie. Merci, monsieur Andorno, de ce propos. Je dois dire que j'ai bien aimé l'idée d'un démembrement juridique du corps avec une espèce de corps-objet, un corpus mechanicum, et puis une personne qui serait une personne immatérielle. Donc, il y aurait du corporel et de l'incorporel dans le corps humain et dans la personne, ce qui est une conception juridique qui ne manque pas d'intérêt. Je dois dire que, en vous entendant, j'imaginais les questions que nous allions avoir tout à l'heure. Alors maintenant arrive le moment d'écouter le législateur. Il y a beaucoup de questions sur le droit dans tout ce qu'on a entendu. Quand on parle de commerce, de transaction, de disponibilité, on parle de droit. Et puis on parle aussi de responsabilité, car s'il y a sur Internet des propositions de dons d'organes ou de vente d'organes ou de location de ventre, eh bien, on se pose des questions. Mais bon, la responsabilité du site. Est-ce que le site est responsable de ce qui se passe et de ce qu'il permet de faire ? Il y a la responsabilité civile de ceux qui passent la transaction. Est-ce que le contrat qui est passé, qui peut être absolument fondamental pour ceux qui souhaitent avoir un enfant ou qui souhaitent acheter un rein pour sauver un proche ou pour sauver leur vie, ils veulent que la transaction soit valide. Est-ce qu'on peut considérer que la transaction est valide et quel est le rôle du conseil dans la fabrication, l'élaboration d'une telle transaction ? Il y a la responsabilité pénale de ceux qui sont dans la transaction. La responsabilité pénale, si je participe à quelque chose qui est illicite, je commets une faute civile, mais peut-être aussi une faute pénale. Et puis enfin, il y a l'immense domaine de la responsabilité déontologique du corps médical, car toute cette technique n'est possible, la procréation assistée, la transplantation d'organes, ces transactions qu'on a évoquées, que parce que des médecins prêtent leur concours à la réalisation matérielle de ces actes. Alors, nous allons attendre Madame le sénateur Hermange sur le sujet de la législation enjeux médicaux et sociaux. Je dois dire, Madame le sénateur, que je vous ai entendu avec un intérêt tout particulier lorsque j'ai fait votre connaissance. Vous êtes absolument passionnante sur ces sujets et c'est donc avec un bonheur non dissimulé que je vous donne la parole. Merci, Monsieur Bâtonnier. Merci, Monseigneur. Merci aux Bernardins et aux barreaux de Paris de m'avoir convié à ce cycle droit, liberté et foi. Je mesure la responsabilité qui m'incombe et vous demande d'accueillir mes propos avec indulgence, d'autant que je représente ici la chose publique,
c'est-à-dire, selon Bachelard, l'opinion qui pense mal. La science, ajoutait Bachelard, s'oppose à l'opinion, et s'il lui arrive sur un point particulier de légitimer l'opinion, c'est pour d'autres raisons que celles qui fondent l'opinion. De sorte que l'opinion a toujours tort. Mon propos ne sera donc pas celui, ce soir, celui de l'érudition, mais celui d'une femme qui a vocation à légiférer et à cet effet s'est impliquée dans l'espace de bioéthique au moment où le Parlement va être conduit à réviser la loi de 2004 autour de 4 thèmes, l'assistance médicale à la procréation, la médecine prédictive, le diagnostic prénatal, le don d'organes et la recherche sur les cellules souches. Tel est donc le premier lieu d'où je parle. Mais mon propos est aussi celui d'une femme qui tente d'être chrétienne en politique et qui, pour cela, cherche le roc sur lequel bâtir ses décisions. Certes, nous pouvons faire le choix du sable, mais il nous conduit bien souvent à une impasse, nous prosternant devant l'œuvre de nos mains, instituant avec nos propres critères, normes et limites, selon l'expression de Benoît XVI dans cette enceinte, la région de la dissimilitude par rapport à la vocation même de l'homme, de la personne humaine. Dans la perspective donc où je me situe, toute préoccupation de bioéthique, fût-elle de compassion ou de bienfaisance, ne peut se soustraire à un questionnement sur le sens. C'est par celui-ci que passe inéluctablement la problématique qui nous interroge aujourd'hui. Le corps est-il du ressort de chacun? Ou bien la société doit-elle protéger l'homme à travers le corps? Peut-on accepter la commercialisation du corps humain sans porter atteinte à la communauté humaine en général? Que doit-on autoriser et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que donner lorsque l'on donne son propre corps? L'énoncé de ces questions témoigne que si elles ne sont pas ordonnées à tout le moins à la loi naturelle, l'homme peut avoir pour tentation de s'élever lui-même au rang de créateur, ce qui peut finalement aboutir à la destruction même de l'homme. C'est pourquoi, sous couvert de bioéthique, nous sommes quelquefois, en réalité, en pleine situation inéthique. Telle est la contradiction que nous pose le débat de ce soir et que je veux aborder en montrant d'abord comment, d'une conception anthropologique de notre droit, les risques sont grands de voir se construire un corpus juridique où le corps devient une denrée pour se servir de l'homme, nous donnant enfin de nous interroger sur cette adresse du Christ au docteur de la loi. Malheureux êtes-vous, légistes, car vous avez enlevé la clé de la science. Une conception d'abord anthropologique de notre droit. En France, les dons de produits humains, cellules, tissus ou organes, donc les organes, le cœur, le poumon, les reins, le foie, le pancréas, les tissus, c'est-à-dire les tissus concernant la peau, les tendons, la cornée, mais aussi des tissus composites, mains, parties du visage, les cellules, c'est-à-dire les cellules issues du sang, les cellules issues du sang de cordon ombilical et les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse. En France, donc, les dons de produits humains faits à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui obéissent à la reconnaissance de principes éthiques universels que sont la dignité de la personne humaine et le respect de la vie d'être humain, desquels découlent tous les autres. Ces deux principes, comme vous l'avez dit, monsieur le professeur, s'étendent aux éléments et produits détachés du corps humain. C'est donc leur origine qui justifie ce respect, principe qui est à la source de celui de l'inviolabilité et du principe de non-patrimonialité qui interdit toute exploitation commerciale de son corps. En donnant ce statut protecteur au cœur humain, le législateur a fait prévaloir l'indissociabilité de la personne et de son corps et en a déduit un triptyque juridique pour tout ce qui est relatif au don d'organes. Premièrement, un consentement présumé qui implique qu'après sa mort, chaque personne est présumée consentante si elle n'a pas manifesté son opposition de son vivant sur un registre. Deuxièmement, l'anonymat du don, qui se veut une mesure de protection de la vie privée, du donneur et du receveur,
pour éviter pressions morales et financières. La gratuité, enfin, qui a d'abord été exigée pour le sang et qui a été inscrite dans le Code de la santé relativement tardivement, en 2007, et qui veut exprimer le fait que le don est appelé à rester dans la sphère de la générosité et de la solidarité, mais aussi le fait que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial et que ses organes ne peuvent être utilisés comme des articles à vendre ou à utiliser. Ce corpus juridique a une dimension anthropologique dès lors que les principes qu'il édicte ne sont ni soumis au progrès de la technique ni aux lois du marché et qu'ils encadrent et protègent une réalité intemporelle, celle du bien-être humain, certains pourraient dire conforme à la loi naturelle, d'autres pourraient dire conforme en référence avec le donné révélé. Dans cette perspective, le corps humain ne peut être traité comme une entité exclusivement physique ou biologique, ce que nous dit aussi l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout homme peut engager ses services, son temps, mais il ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable, étant littéralement sans prix. Cette dimension de notre loi civile rejoint la loi naturelle, mais aussi la dimension chrétienne, puisque pour celle-ci, il ne s'agit pas de donner quelque chose qui nous appartient, dans la mesure où le bien de la vie n'est pas la propriété de l'homme et que nul ne se fabrique son corps. Chacun le reçoit comme un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi aucun prix, quel qu'il soit, ne peut correspondre à ce don gratuit et total. C'est seulement dans le cadre de ce don libre que le prélèvement d'organes a un sens. Celui-ci n'est en réalité qu'un acte technique et chirurgical qui n'a de consistance que s'il se situe non sur une logique de prélèvement, mais sur celle, pourrait-on dire, de la divine surabondance que l'être humain peut accueillir et faire sienne en vérité. Je vous appelle plus serviteur redevable, mes amis. En vérité, dans la gratuité du don d'organes, par analogie quelque part avec le mystère pascal, ce qui déplace toute logique, c'est celle de la fécondité de l'amour. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nul ne peut contraindre d'une manière ou d'une autre à donner son corps. Tel est l'esprit de notre législation, inspiré par notre tradition judéo-chrétienne. Or, aujourd'hui, ce corpus juridique est remis en question par une construction matérialiste et utilitariste du corps, tendant à en faire une denrée. Ces risques sont dus d'abord à un discours quantitatif de la pénurie d'organes. Depuis quelques années, la politique de prélèvement d'organes est remise en question au vu de la pénurie chronique d'organes disponibles. En effet, en France, comme dans d'autres pays, s'est installé un déséquilibre croissant entre le nombre de prélèvements sur donneurs décédés et vivants et l'augmentation du nombre de patients placés sur une liste d'attente en vue d'être greffés. C'est ainsi, par exemple, que dans notre pays, sur la liste d'attente pour recevoir une greffe en 2010, sur 9000 personnes qui étaient inscrites, 437 personnes inscrites sur la dite liste sont décédées. Face à cette situation, des efforts ont été réalisés pour augmenter le nombre de donneurs décédés ou vivants. Néanmoins, certains estiment qu'une nouvelle approche est nécessaire, véhiculée bien souvent par des discours qui nient la complexité du mode de fonctionnement du don et qui, indirectement, instrumentalisent notre humanité. Un discours anatomiste du cadavre, où la mort est attendue pour rendre possible la transplantation d'organes. Des discours de prélèvement systématique au nom d'une générosité imposée de commande, comme ces propos faisant dire à certains médecins, quand des parents refusent de donner les organes d'un enfant qui vient de mourir,
ils en condamnent un autre à la mort. Ceci véhicule une rationalité instrumentale et un imaginaire médiatique tendant à faire croire qu'une communication promotionnelle du don d'organes parviendra systématiquement à mettre un terme aux réticences du public, ou encore que commercialiser la pratique du don d'organes changerait la donne. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, des tactiques comme rechercher soi-même l'organe nécessaire ou son donneur sur Internet s'immiscent dans le débat et changent la donne. Ou encore, acheter son organe à l'étranger, aux USA, en Europe ou en Inde, avec des marchés qui sont intéressants et des propositions d'immédiateté pour être greffé, sans tenir compte toujours des complications médicales pour le receveur. C'est ainsi que des statistiques ont montré récemment que des greffés avec des dons d'organes provenant d'Inde, un an après, il y a 10% en général de complications pouvant aller jusqu'au décès, tandis que des greffes faisant dans le cadre européen, les complications un an après sont de l'ordre d'un taux de 1 ou 2% pour une greffe à partir d'un organe cadavérique. Cette problématique est illustrée par la réflexion d'un médecin néphrologue qui résume bien le changement progressif de cet état d'esprit. Quand j'ai réalisé pour la première fois que le commerce des organes pouvait être une possibilité en transplantation, j'étais très opposée, en trouvant que c'était une chose horrible. En y réfléchissant, je n'en suis plus si sûre. Je me demande qui a décidé que ce commerce était moralement faux. C'est ainsi que nous sommes en train de glisser vers un risque de marchandisation pour l'ensemble des dons d'organes, où le corps serait conçu comme une denrée. Alors, de deux choses l'une pour le législateur, en perspective de la révision des lois de bioéthique. Soit nous conservons cette ligne en maintenant le principe de gratuité, considérant que le corps forme le substrat de la personne, comme vous l'avez dit, et qu'il ne peut en être dissocié, et que toute rémunération porte atteinte à la dignité de celle-ci. Soit nous revenons, nous, législateurs français, sur ce principe, et nous considérons, par la vente d'organes, que ceux-ci sont des biens pouvant faire l'objet de commerce, d'échanges ou de trafic. Dans ce cas, nous accepterions de revenir sur le principe de non-patrimonialité du corps humain, et alors la liste des interrogations devient sans fin. Comment sera régulé ce marché? Sera-t-il régi par un contrat? Sera-t-il appliqué pour tous les dons, y compris pour les dons en intrafamiliaux? Combien d'organes ou de prises de sang pourra-t-on vendre par personne? Quel public sera concerné par la vente des produits de son corps? Quand les échanges sont régulés par l'argent, n'y a-t-il pas l'évidence que les plus aisés achèteront aux plus nécessiteux? Cette problématique s'immisce dans l'ensemble des domaines du débat de bioéthique et je voudrais en pointer quatre. D'abord, la rémunération du don de gamètes et plus particulièrement du don d'ovocytes. C'est une problématique qui est posée aujourd'hui parce que certains médecins, aujourd'hui il y avait un médecin qui s'exprimait dans Le Parisien, qui se pose en raison de la pénurie du don d'ovocytes. Et d'autre part, parce qu'il y a des pratiques fréquentes de rémunération dans des pays comme l'Espagne, avec des médecins d'ailleurs qui dirigent des cliniques, des médecins français qui dirigent des cliniques et qui sont allés en Espagne pour institutionnaliser ces pratiques. Si le législateur, en matière de don d'ovocytes, lève la gratuité, n'assimile-t-il pas ce don d'ovocytes a une logique comptable de résultats, faisant des ovocytes, et au-delà des génitrices, des denrées au service de la vie. Et si les modalités de conception sont révélées à l'enfant à l'issue de cette technique, quel récit de ses origines pourra lui être fait s'il n'est pas le fruit d'un don, mais d'une tractation marchande? Et d'autre part, si nous acceptons de rémunérer l'acceptation d'une rémunération pour les dons d'ovocytes,
ne risque-t-elle pas de faire lever la gratuité pour tous les autres dons d'organes ? Puisque quand je fais bouger un dispositif, un des trois dispositifs, consentement, anonymat ou gratuité, pour une des parties de la problématique, eh bien, je peux être conduit à la lever systématiquement pour toutes les autres. Deuxième problématique qui s'y mise dans le débat, c'est la recherche sur l'embryon, parce que celle-ci, elle ne peut être déconnectée de son application éventuelle dans l'hypothèse où des applications thérapeutiques seraient démontrées, puisqu'il existe un continuum qui s'étend de la dite recherche à son développement industriel. Aujourd'hui, une telle finalité est extrêmement interdite, expressément interdite par le Code de la santé publique. Mais aujourd'hui, pour certains chercheurs et certains médecins, sous la revendication d'un régime d'autorisation pérenne de la recherche, levant tout moratoire, puisqu'en France, on a un principe qui est la recherche sur l'embryon est interdite, mais il y a deux dérogations, et que tous les 5 ans, le législateur révisera la loi. Si nous mettons en place un régime d'autorisation pérenne, n'attend pas en filigrane pour objectif de ne pas décourager les investissements privés par des échéances à court terme. En témoigne d'ailleurs l'annonce qui a été faite hier d'un traitement avec des cellules souches embryonnaires annoncé à grand fracas hier soir sur un paralysé, essai clinique qui a été fait aux États-Unis. Cet essai clinique, il est critiquable éthiquement, car c'est un essai de phase 1, c'est-à-dire c'est un essai pour évaluer uniquement l'innocuité et la tolérance des cellules greffes. C'est une annonce prématurée, parce qu'on est en phase 1, conduisant à de faux espoirs, puisqu'on n'en est pas du tout à une phase terminale, mais dont l'effet fait croître la cotation en bourse de la société, et d'autre part, inscrit donc cette annonce dans la course au brevetage du vivant et donc d'une compétitivité financière. Et donc, pourquoi, si la recherche est interdite en France avec dérogation, s'il y a un risque d'avoir un certain nombre de découvertes thérapeutiques, pourquoi notre pays ne serait pas attractif ? Le législateur doit donc nécessairement se poser cette interrogation, regarde cette recherche, en étant conscient que l'autorité du laboratoire ne peut rendre caduques toutes les disciplines qui ont parlé de l'homme, mais autrement que sous la forme d'une molécule. Troisième problématique qui s'immisce dans le débat, le sang de cordon ombilical. Nous sommes en France dans un paradoxe les plus complets. Nous avons fait en France, dans les années 88-90, la première mondiale sur un enfant qui a été envoyé des États-Unis, qui avait une maladie de Fanconi, qui a été envoyé à l'hôpital Saint-Louis, au professeur Eliane Gluckman. Celle-ci a eu l'idée de soigner cet enfant avec des cellules souches issues du cordon ombilical. Puis après, à Saint-Antoine, nous avons fait la première mondiale sur un adulte. Et pourtant, aujourd'hui, on estime que les cellules souches issues du sang de cordon ombilical pourraient traiter 85 maladies du sang. Et alors que nous avons fait la première mondiale, nous sommes le 16e pays, après la Tchéquie, à stocker notre sang de cordon. C'est-à-dire que nous avons uniquement 10 000 unités de sang de cordon, alors qu'il en faudrait 50 000, que l'année dernière, nous avons été en chercher à l'étranger pour un coût de près de 4 millions d'euros, coûts imputés à la Sécurité sociale, alors que si nous les avions, nous aurions pu avoir 1700 unités supplémentaires. Et c'est très important parce que nous avons un des pays européens avec 800 000 naissances, avec une population très diversifiée. Alors, le sang de cordon ombilical permet de soigner un certain nombre de maladies aussi
issus des populations africaines, notamment la drépanocytose, permettrait d'avoir une politique très importante à l'extérieur. Mais comme nous n'avons pas suffisamment de sang de cordon, certains disent pourquoi ne pas s'engager dans la voie de la privatisation, c'est-à-dire contre rémunération, et d'autre part dans un but autologue, c'est-à-dire personnel et privé. S'engager dans la voie de la marchandisation et de la privatisation, autant pour les cellules souches que pour l'ensemble du don d'organes, serait donc abandonner la fonction anthropologique de la loi pour faire de celle-ci une adaptation sociologique et technique encadrant les avancées de la technique et de la médecine. Mais dans ce cas, comme le dit Monseigneur Dornelas, portant sans aucun doute en lui cette parole de saint Paul, « Je n'ai connu le péché que par la loi », Monseigneur Dornelas disait « Que signifie une loi civile qui ne dit plus où est la transgression ?» C'est ce que nous allons voir aussi avec une question qui fait actualité, la gestation pour autrui. D'abord, avant de parler de la commercialisation à travers la gestation pour autrui, je voudrais dire que si aujourd'hui nous légalisons la gestation pour autrui, nous légalisons un abandon d'enfant, puisque l'enfant naît après gestation pour autrui, que vous allez, par exemple, madame, me commander, ne sera votre enfant que lorsque moi, gestatrice, je l'aurai abandonné, et vous qui êtes la mère d'intention, vous ne deviendrez légal qu'après une procédure à la naissance, par celle qui accouche. Et donc, en fait, légaliser la gestation pour autrui, c'est légaliser un abandon d'enfant. Parce qu'en fait, de deux choses l'une, ou nous gardons notre principe mater, ou nous ne gardons pas notre principe mater semper sata est. Et nous faisons de la maternité une présomption de maternité. Mais quel progrès ! Ou nous le gardons, et alors, légaliser la gestation pour autrui, c'est légaliser un abandon d'enfant. C'est totalement différent d'une politique d'adoption. Parce que dans une politique d'adoption, la société répare un préjudice individuel subi à l'enfant et entoure l'enfant par une politique d'aide sociale à l'enfance, tandis que là, il nous est proposé une légalisation, c'est-à-dire que la loi civile devient un « on » qui permet à tout un chacun d'organiser un abandon d'enfant. Et moi, ça, jamais je ne pourrai le voter. Légaliser la gestation pour autrui, c'est aussi réifier la femme en la considérant comme un sac ou un garage à louer, puisque la gestation pour autrui implique un échange marchand entre la mère porteuse et la mère commanditaire. Un tel échange fait l'objet d'un contrat qui fait donc entrer la maternité dans le secteur tertiaire et le droit des contrats privés dans le droit de la filiation. C'est donc considérer indirectement que l'être humain est une chose, puisqu'en vertu de notre droit, il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui font l'objet de conventions. Mais c'est là aussi poser plusieurs questions. Quel sera l'objet du contrat ? Comment sera-t-il résilié ? L'acte de céder un enfant contre rétribution ne le fait-il pas basculer dans les mondes des choses appropriables et disponibles, à l'inverse de la personne. Là aussi, adopter la GPA, c'est perturber toute notre éthique du don. Et à partir de là, tout est possible. Parce que lorsqu'on y réfléchit, on va jusqu'à inclure la femme dans une procédure similaire à celle qui est conduite pour autoriser un médicament à être mis sur le marché. En effet, la procédure de certification et d'expertise, c'est-à-dire les conditions pour que je devienne mère porteuse, nécessite des conditions d'inclusion, avec des critères requis de santé, avoir déjà un ou deux enfants, des modalités de prise en charge des soins, des modalités de suivi de recueil des données et leur exploitation, l'interprétation des résultats soumis à une analyse contradictoire. En d'autres termes, je vais être soumise à l'évaluation du bénéfice thérapeutique
qui se fera sur le même critère que pour les médicaments. Sa qualité, son efficacité, sa sécurité, au bénéfice d'une nouvelle molécule qui n'est plus appelée un médicament, mais qui est un être humain, en l'occurrence un enfant. Cette question, le législateur aura à la trancher dans le débat de bioéthique. Car même si le gouvernement, dans le projet de loi présenté sur la bioéthique, reste sur l'interdit de la gestation pour autrui, dans le projet de loi tel qu'il a été soumis au Conseil d'État, des amendements au texte gouvernemental seront sans doute déposés, puisque vous l'avez dit, une proposition de loi qui n'émane pas du Sénat, mais de quelques sénateurs, d'ailleurs de groupes aussi bien de groupes socialistes que de groupes de l'UMP, seront tentés de déposer des amendements pour lever cet interdit au nom de leur désir d'enfant. Mais est-ce à la société d'y répondre ? Car je crois qu'il y a bien une différence éthique entre accompagner des situations en souffrance, en permettant éventuellement l'établissement juridique de leur filiation, et légaliser une telle pratique qui reste d'exception. De concession en concession, si sur les quatre exemples que je vous ai donnés, dans 2-3 mois, le législateur abandonnerions les principes d'humanité qui constituent le socle de celle-ci, jusqu'à faire du corps humain une denrée, oubliant, ou nous rappelant plutôt cette adresse, malheureux êtes-vous docteur de la loi, car vous avez enlevé la clé de la science, et que ce n'est pas rien de corruptible, or ou argent, que vous avez été affranchi, mais par un sang précieux. La clé de la science, en fait, c'est non pas la loi intransigeante, mais le regard de compassion et la miséricorde. La clé de la science, c'est l'éthique de l'humilité, et non pas l'orgueil du docteur de la loi, cuirassé de bien et qui s'arroge injustement l'enseignement de la connaissance de Dieu et empêche les autres d'y parvenir. La clé de la science, c'est celle qui n'assimile pas le salut de sa propre vie à une transaction commerciale réglée par la loi de l'équivalence ou de la compensation, où le geôlier n'accepte de livrer son prisonnier et le vendeur sa marchandise qu'à la condition de ne rien perdre. La clé de la science n'est pas celle d'un personnage qui réclamerait ou recevrait un prix d'achat. La clé de la science, je le crois, pour ma part, c'est celle de celui qui, par son sang, a donné sa vie en rançon, non pas pour un seul, mais pour une multitude, et dont le sacrifice est l'instrument de notre délivrance. La clé de la science, enfin, pour que soit manifesté que quelque part, ce n'est pas la science qui rachète l'homme, mais l'amour. L'oublier, c'est refuser la fécondité de la vie, pour se faire maître de la vie, la capturer et quelque part occulter la nudité irréductible de l'homme, la clé de la science, pour que soit manifestée, et nous pouvons le dire ici dans cette enceinte, en définitive, que le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Je vous remercie de votre attention.